essayard est sur le point de succomber aux roses démoniaques du chevalier du poisson. Pendant que Sean est aux prises avec le plus puissant des chevaliers d'or. C'est à ce moment qu'il apprend que Seyar est en danger de mort et que le pollen des roses démoniaques l'a déjà fait tomber dans un sommeil profond. Aphrodite essaie de terrasser Sean avec les roses démoniaques et manque de peu de réussir à abattre le dernier des chevaliers de bronze. Mais son courage et sa volonté lui permettent de se relever. Sean doit non seulement aider Seyar à gagner la chambre du peuple, mais aussi venger la mort de son maître. Après tous les sacrifices de mes compagnons, je suis enfin parvenu à atteindre la chambre du grand peuple. Et à défier Arès. Ce visage caché derrière le masque, c'est donc lui la source de tous nos maux. Comment est-ce possible? Cet homme malfaisant qui a la beauté d'un dieu, regrette-t-il réellement ses actes? Sean, au dernier moment, est parvenu à libérer le cosmos énergie d'une terrible intensité et à vaincre le 12e chevalier et dernier chevalier d'or, Aphrodite du Poisson. Malheureusement, celui-ci, juste avant de périr dans la tempête nébulaire, a décoché à son adversaire une rose blanche qui s'est fichée dans son cœur et qui, une fois gorgé de sang, entraîne Sean dans la mort. Le grand peuple est alors persuadé que la victoire ne peut plus lui échapper. Je t'en conjure, Seyar, dépêche-toi. La couleur de ce cheveu a changé, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable! Qui t'a permis d'aller prendre le bouclier d'Athéna? Meurs, renégat! Projeté hors de l'espace, je suis dans une autre dimension. Ah 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 C'est de la folie. Le peuple est le représentant d'Athéna sur Terre et doit l'aider à faire régner la paix sur la planète. Je ne te laisserai jamais dominer le monde. Par le météore de Pégase. Athéna, guide-moi! La bataille est terminée, j'ai remporté la victoire.
pouvoir. Ha 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 ha!